Bonjour à tous, nous sommes dimanche 1er octobre et il est midi moins le quart déjà. Donc on a pris notre temps ce matin. Oh, maintenant, de toute façon, ils annoncent un super temps. Ça, hop là. Madame est en train de donner de la teinte. Voilà, que ce soit uniforme et puis comme le reste. On a un super temps encore. Et donc je débarrasse un peu les soutes pour apprêter pour mes cuves. Là, les batteries, je vais les connecter avec celle qui est devant parce que celles d'origine sont pas conçues pour le solaire. Et puis comme elles sont à moitié naze, du moins je pense, mais de toute façon on est en tombant en panne de batterie, donc normalement elles ont juste assez de jus pour tirer les ventilos en haut. Mais pas, je pense pas qu'elles sont bonnes pour continuer à démarrer le bus. Donc comme la dernière fois, je vous avais expliqué que j'en ai mis deux neuves, les mêmes que celles qui sont là-bas, et qui fonctionnent au solaire. Donc je vais les raccorder avec ceux de là-bas. Et puis, comme ça, quand on démarrera le bus, il y aura 6 batteries à la place de 2. Et par la suite, j'en mettrai 2 autres ici. Enfin 4 au total. Il y en aura 8 derrière, plus 2 devant qui seront raccordés tous ensemble. Tout sera raccordé sur le panneau solaire. Et oui, normalement il faut la même distance quasiment quand on fait des branchements parallèles et tout ça, donc au niveau des batteries. Mais c'est pas non plus du lithium, hein, c'est pas aussi. Donc c'est pas pour deux batteries qui sont raccordées à 8 mètres plus loin que ça va changer grand chose. Du moment qu'elles sont toutes neuves, elles sont neuves là, elles sont neuves là, et les autres sont neuves aussi. Même s'il y aura quelques mois, quand je dis quelques mois, il y aura 2-3 mois de décalage par rapport à celles qui ont déjà été utilisées. On a trouvé la bonne. On va voir de près, là. Et bon, bah, je vais m'y mettre. Enfin, je vais faire un trou ici, là, pour passer mon câble. Là. À ce niveau-là.
ça sera fixé par en dessous. C'est pas de la rouille, hein. C'est juste la colle qui fait cette teinte là. Et ça, l'épaisseur qu'on voit ici comme ça là, c'est juste parce que ça a été travaillé comme ça. Mais en aucun cas ça cloque par la rouille. Donc je vais tout fixer le câble de là. Ici, ça va passer tout par en dessous et raccorder à mes autres batteries. Et cela, pour le moment, je les garde pour faire fonctionner les... Et je les ferai contrôler plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai rien pour les contrôler. Si jamais... on verra bien. Allez, hop, je vais pas insister là-dessus. Un bon coup de nettoyage, je vous fous en timelapse. Et c'est parti. Que je vous montre ce que j'ai fait. Hop là, que je tombe pas. Donc dans l'idée, c'est ça. Hop, ce sera peint en noir le cadre que je vais rajouter. Donc il y aura un côté blanc. Là, ce sera tout le cadre que je rajoute, c'est noir. Et derrière, il y a le pexi avec un effet goutte. Salle de bain, quoi. Ça fera ça. Donc ça, ça reste blanc, ça c'est noir. Là, il y aura une baguette d'angle noire qui contrastera avec le blanc, un peu comme là, hein. Imaginez que celle-là elle est noire, ça fera un petit retour blanc et avec un effet noir. Alors il faut que je rajoute une baguette d'angle noire. Donc je ferme ici, ou alors je mets un pexi pour ajouter de la, du jour. Tout ça, ça sera propre. Et le joint derrière, on ne verra plus, hein, ce sera plaqué. Oh. J'ai une petite modification à faire en haut. Oh. Je fixe ça et après j'aurais plus qu'à le renlever. Je vais le fixer avec trois vis, 1, 2, 3, parce qu'on peint en noir donc ça se verra plus. Et en haut pareil, 1, 2, 3, plus le côté, ça sera renforcé, ça sera, comme ça, ça fera un côté bien rigide. Voilà, c'est déjà rigide donc c'est bon. Et voilà, et donc j'ai remesuré entre le coin ici au plus près. Ici, j'ai 54 cm de large, ce qui fait largement. Allez, go! Bon, une petite bière s'impose, hein, bien mérité. Ça fait bizarre de voir la télé en pendant comme ça. Là. On croirait qu'elle va tomber, mais non, elle est fixée. Bon, bref. Pour l'instant, c'est un peu le chantier, comme à chaque fois qu'on fait des travaux. Hein. Et du coup, là, je suis en train de poncer ça. J'en ai une déjà dehors. J'en ai une là. Faut que je les termine. Ça, c'est terminé. J'ai fixé, j'ai rectifié ce morceau-là. Il ne me reste plus qu'un léger ponçage à faire ici, là.
Et après c'est bon, j'ai rectifié là ici au niveau du plafond. Voilà, j'ai intégré la cornière dedans. Là, je vais terminer ce morceau là. Je sais pas si je vais terminer aujourd'hui parce que commence à se faire tard. On a bien bossé aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir le couper. Voilà. Et puis continuer quoi. Je vous rappelle que j'ai fait ça. La petite porte, nickel. J'ai percé les trous sur la porte de du Mob TV. Bon ben ça, j'installerai ça plus tard sur le tiroir. Et il faut que je les installe là-dessus aussi. Mais je pensais en mettre deux, mais une suffira. Hein. Ça accroche vraiment bien. Puis en plus, du coup, ça. Je regarde. Il y en a deux. Un truc spécifique, ça. Ça va pas avec ça. Oui. Non. Peut-être pour le caler. Je pense que oui, c'est pour caler. Par rapport à quand on règle. Bref. Hein. Non, on va mal, allez, fais le point. Bon, bref. Alors. Ouais, du coup, je disais, ouais, ça tient vachement bien. Donc, j'en mettrai qu'une de chaque côté. En plus, moi, je les colle pas. Hein. Je les colle au départ parce que forcément, il faut les caler et régler. Et ensuite. Ben, on peut y glisser. Une vis là, une vis là. Alors je mets pas les petites vis qu'ils mettent là parce que ça me paraît vraiment ridicule. Je mets des vis de 2 cm de longueur sur. C'est du 3,5 en épaisseur. 3,5 sur 2,5. Sur 2. Puis voilà. Allez. Hop, je continue. Je vais finir ma petite bière tant qu'elle est fraîche. Allez, hop. Et je vais aller voir ce que madame fait. En prenant ma petite pause. Et après, de toute façon, je vais ranger. Je vais arrêter ça. Tout ce qui est ponçage là. Je vais commencer à poncer ça bien correctement. Oui. Intérieur aussi, donc ça fait un effet arrondi comme ça. Et après on l'aurait traité, bah il faut que je fasse les quarts, les angles si vous préférez. En Normandie on appelle ça les quarts. Et puis bah tout arrondir, hein. Tout arrondir comme ça. Oui. Non mais tu te fous de ma gueule? Quoi? On n'a pas vu ma culotte? Bah non. Je suis pas coiffée, j'ai rien. T'as rien quoi? T'as rien mis en dessous? Donc, madame a fait ça. Non, bah tout ce qui est entourage de fenêtres et tout, là, il y a une bonne tapée là. Madame, elle fait rien, mais elle fait quand même. J'ai pas dit que tu foutais rien. Et cette plaque là, là, je sais pas ce que c'est comme matière. J'ai l'impression que c'est du MDR, mais de qualité supérieure. Ça fait 2 cm d'épaisseur, c'est là. Et je vais m'en servir pour faire mon coffrage batterie avec. C'est du mort de rire.
Pourquoi? MDR. T'as dit c'est du MDR, c'est du mort de rire. Bah oui, ça s'appelle du MDR. C'est une sorte de carton compacté, compressé. Mais c'est comme tout, il y a des qualités supérieures et inférieures. Et ça, c'est une planche que j'ai récupérée. Et elle est vraiment bien. Bah, tu fais pas aller avec le liner? Non, ça marche moins bien. Et va t'en faire les points là-dedans avec le liner. Le liner. Le liner. Oui. Fais bien le trou aussi. Oui, ouais, bah là. Très bien. Là, il y en a un peu beaucoup là. Hop. Regarde-moi ça. Technique. On dirait de la gelée de cordon. Non, du sirop de cordon. Oui, oui, du sirop. Sirop. Je sais qu'on appelle gelée, ça. Ouais, mais je voulais changer le nom. Bah ouais, mais ce serait encore plus difficile à avaler. Parce que ça me semble un peu épais quand même là. Ça ressemble plus à de la gelée. Hein. Oh la vache. Fais ça bien, t'as toute la France qui te regarde. Même les pays étrangers. Oui, ben bah, ça suffit. Hop, on évite le trou. Eh ben ça fait du bien. Dans le trou. Ah, tu le ranges, parce qu'après j'ai tout mis. Ouais, mais moi j'arrête aussi là. J'en ai plein le derche, comme on dit. Ouais, étale bien sur le bord parce que. Comme ça, il sera bien protégé, hein, nickel. Ça récupère encore un peu dans le machin, là. Dans les deux trous. Là. Ouais, tourne un peu comme ça sans. Ça va sécher. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'accroche. Il va falloir que je laisse un peu sécher le temps. Il en manque tout le long. Et ce sera très bien. Mais j'ai l'autre à faire. Oui, oui. Le côté. Oh. Je vais faire voir ce que toi tu as fait. On a mis ça dans le bus. Par contre, les rouleaux, là, faut les mettre à tremper. Hein. Oui, c'est pour ça. Il faut les mettre dans la. Mais il est où le. La pu. Un beau papillon oh, là. Il est beau. Magnifique. Ah ouais. Tiens, fais Google de savoir c'est quoi. Hop, c'est quoi, il est parti. Ouais, faudra mettre ça à tremper. Hein. Oui, je mets ça à tremper à la maison. Ah bah tiens, il y a de l'acétone là. Ah si, il y en a là, j'en ai acheté une neuve. Elle est toute neuve. Pourquoi? Je trouve ça à la maison. Oui, bah on mettra ça bien. De toute façon, là, tout de suite, bah mets dans le coffre, hein, on va emmener ça nettoyer. Là, je filme ce que tu as fait, là, et puis après, ben hop, maison. Faut rentrer le meuble, faut qu'il soit sec. Ouais, ouais, bah, on va le rentrer. Hein. Laisse ton coffre ouvert, on va mettre des trucs dedans. Alors. Hop là. Donc, toutes ces barres-là, et puis il y en a derrière aussi. J'ai fini aussi, bah donc j'ai rajouté des barres comme ceci. Ok. Et bah l'encadrement de fenêtre. Tout est coupé, c'est fini à 100%. Ce qui me manquait, c'était la chambre. Et là, du coup, c'est complété. C'est fini. Quand je dis la chambre, c'était côté derrière la porte. Parce que le côté, donc, elle était complète. Il manquait juste cette fenêtre-là, sur le côté.
Donc là, bah, je vais éteindre ça. Ça fait du bien quand on passe dessous. Ça rafraîchit le bus. Parce que là, en plein cagnard, ils ont annoncé 30 tantôt. Là. Bah, franchement, il fait moins chaud dans le car. Le truc est exposé en plein soleil. Ça fait vraiment propre. Donc là, j'ai redécalé. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai dû toucher entre deux. Et c'était pas droit. Là, c'est parfaitement droit. Donc là, on va redonner un coup de peinture blanche. Parce que j'ai un pot tout neuf. Pour masquer ça aussi avec la pâte à vis. La pâte à bois. Peindre. Là, on va mettre après du scotch de masquage. Et on va peindre ça en noir. Donc derrière, il y aura un pixi avec un effet goutte d'eau. Je sais qu'ils en vendent directement, mais je crois que je vais plutôt mettre un stickers. Parce que ceux qui vendent, ils sont tout fins. Là, ça fait 1 ou 2 mm d'épaisseur, c'est à chier. Je préfère acheter du 5 mm. 5 mm d'épaisseur. Et je vais commander un rouleau de film goutte d'eau que je collerai au pixi. Et après, je viendrai plaquer. Et là, maintenant, c'est nickel. Il faut absolument que je termine en haut. Hop. Et puis voilà, et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On fera un home tour quand tout sera posé, propre. Parce que là, ça fait pas beau. En voyant ces trucs là pendre tout bazar partout. Allez, donc il y en a qui font des vidéos sur ou des shorts du style un café solaire, hein. Ouais, bah je pourrais en faire aussi. Tout fonctionne au solaire ici, hein. Plaque à induction, 3 feux, la Tassimo. Frigo, ventilo, aération, les télés, celle qui est là, bah, je vous ai pas montré celle qui est dans la chambre. Allez, on va faire un petit tour dans la chambre, je vais vous montrer ce que j'ai mis pour le moment. Voilà. C'est mon doigt que vous entendez. Parce que la porte... la Queen Po. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je me mets au niveau d'ici là, et ça fait ça. Hop. Un bel écran TV, mais c'est pas celle-ci qui va rester dans le. Ça, c'est du dépannage. Après, je la donnerai à un des gamins. Et puis ici, il va une. Je recommanderai la même que j'ai dans le salon, une Samsung. QLED en 140 cm. Voilà, voilà. Oui, je suis en chaussure de sécu. Je vais essayer d'accrocher ça. Hop. Et voilà. Oh, elle est glande, ça n'arrête pas de tomber. Ah, j'ai ça, cette barre-là à fixer. La petite, là. Mettre des vis auto-perforantes, auto-foreuses comme on dit, et puis hop, c'est parti, allez go. Bon, ça y est, je viens de le fixer, la barre, j'ai mis une vis là, une vis là-bas, là, il y en a deux, parce qu'il y en a une juste à côté, c'était bon, il manquait les deux que j'avais enlevé, que j'avais pas remis. Et j'ai vu aussi, donc bah, là j'ai ramené ma console de jeu. Il m'en reste encore une autre. J'ai deux PlayStation 2. 4 manettes neuves. Mes figurines One Piece qu'on m'a donné dans le sac. Sans compter les 80 personnages que j'ai.
J'ai vu aussi, c'est pour ça que je voulais filmer, donc pour vous dire que la salle de bain s'était fixée. Et là aussi, il y en avait dedans. Il y a une tapée de bois. Plus cela. Et là, on va rentrer le mob qui est là-bas. Hop là. Je vais aller chercher ça, puis hop, on y va. Là, je prépare pour mettre. Attendez. Hop là. Pour mettre la nourriture. Câble. Pour vider le portable. Mes clés, je vais les garder avec moi. Ça, c'est poubelle. Je vais vider le frigo à la dernière minute. Ici, la chambre, je laisse comme ça et je ferme ici. Hop. Là. Comme ça, ça fait bien plus propre. Je devais fixer la baguette d'angle, mais j'ai pas fait. À moins que je la fasse, mais j'en ai pas besoin. Hein. Oh, faut que je redécoupe et tout. Non, c'est bon, j'ai débranché. Trop tard, on verra ça la semaine prochaine. Allez, go, go, go. Il y a un truc que j'aime pas, c'est tourner en rond dans le bus. Il y a des travaux, il y a tout ce qu'il y a à faire. Donc, si on tourne en rond, c'est de la perte de temps. Moi, j'aime bien, c'est... On va dedans, sans fan, sans boss. Il y a des choses à faire, donc... Boulot, boulot, boulot. Donc, celle-ci, je vais la mettre ici, pour le moment. Voilà. Faut que je retrouve mes colsons aussi. Allez, je ramasse ça et puis terminé pour aujourd'hui. Il est 17h22. Oui, ça fait pas tard, mais on a une quarantaine de minutes pour rentrer en partant d'ici. 40 minutes pour rejoindre la maison. Et puis voilà. Puis on n'a pas arrêté ce midi. Hein. On s'est pas arrêté manger. Et ouais. Quand on est parti dans le boulot, surtout moi. Ma femme travaille aussi. Hein. Je dis pas le contraire. Mais moi j'ai l'habitude de. Quand je bosse, je m'arrête pas. Si je bosse, je bosse, je bosse. Allez go. Sur ce, à plus.